quand même essentiellement autodidacte, mais j'ai pris des cours de dessin, de nature morte à Paris pendant des études d'art et d'archéologie. Et puis voilà, après je suis revenu, j'habite en Dordogne, donc je suis revenu pas loin de la Dordogne, en Charente. Et je me suis installé pendant 3 ans, je n'ai fait que ça, du dessin au fusain, de l'aquarelle, du pastel, de peinture à l'huile. Et puis, enfin, ma vie a fait que je me suis marié, j'ai trouvé un autre travail parce que je ne pouvais pas vivre de ce travail. Et puis, j'ai découvert Fétia, donc côté Limoges. Les Passéistes de France faisaient un festival. Et par hasard, j'ai vu sur une revue, j'y suis allé en 2002. Et alors là, c'était un peu l'éblouissement. J'avais quand même mon travail, mais j'ai commencé. Et après, je n'ai jamais arrêté de faire du pastel. Et au départ, c'est pas très difficile à mettre en œuvre parce que ce sont des bâtonnets de craie, c'est facile à poser sur du papier, sur des. Après, faire des pastels plus élaborés et tout ça, c'est là que ça complique. Mais il y a pas de, c'est toujours sec. Il n'y a pas besoin comme nettoyer les pinceaux. On le fait avec les mains, quoi. Donc, je dirais que c'est simple à mettre en œuvre. Après, faire des tableaux. Bien fini, bien réalisé, c'est autre chose. Mais tant que je travaillais, j'avais beaucoup de mal à faire d'après des paysages réels, parce que ça veut dire qu'il faut aller, quand il fait jour, aller. Mais j'allais au boulot, donc j'ai beaucoup travaillé le soir d'après photo. Voilà. Après, je fais un peu les deux. Et puis les photos, je prends souvent, enfin, la plupart du temps, mes photos. Je prends donc je les cadre en fonction de ce que je veux faire. Je fais partie du jury, je suis président de l'association des pastellistes de Dordogne. Et on fait un festival international tous les 2 ans. Donc je suis le président de l'association. Et j'ai fait jury de ce salon pendant des années. Et puis l'année dernière, j'ai arrêté. On a demandé à 6 peintres, deux Anglais, 2 Espagnols et 2 Français à faire la sélection pour nous dégager un peu de ça, parce que c'est pas toujours évident quand même.